Salut tout le monde, c'est Miru83, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du top 5 du clip de la semaine. Donc je ne vais pas vous faire attendre, pardon, on commence directement où on retrouve à la cinquième place Bad Guns, qui joue en élimination confirmée sur la map Bootleg. Donc il vise avec son javelin, donc en face où il y avait la voiture. Donc là malheureusement il se fait tuer, donc là il respawn et là il nous fait une belle quad au javelin, donc une belle quad qui mérite d'être en cinquième place. Donc à la quatrième place, nous retrouvons Paul75, donc il nous jette donc des grenades flash sur la map Outpost en élimination confirmée. Il jette un couteau de lancer à l'aveuglette. Donc là, nous pouvons voir grâce au mode studio qui est vraiment très efficace et très utile, donc qui lance bien un couteau de lancer donc sur un ennemi et donc à l'aveuglette surtout. Donc bien joué de sa part, un peu cocu mais bien joué de sa part. Nous retrouvons maintenant à la troisième place donc Miru83, donc moi-même. Où je vais vous proposer un bel petit enchaînement donc sur la map village, ouais, en mêlée générale, donc où je vais tuer 6 ennemis, donc les deux premiers en headshot, le troisième je le cut, le quatrième je le cut aussi qui me permet de bloquer l'atout spécialiste, le cinquième donc que je fais en headshot aussi, et le sixième je vais aussi le finir en headshot, donc au total donc 4 gars tués, donc le tout en headshot et deux gars au coup de couteau. Donc nous retrouvons ensuite à la deuxième place, ben encore moi, donc Miru83, où je joue en domination sur la map Fallen. Donc je vais directement au spot où se trouvent les ennemis qui est capture C. Donc je vise et là je fais boum, triple kill, donc en une balle. Et là je vais tuer encore un ennemi qui me permet de faire une quad feed. Donc on va voir grâce au mode de studio. Donc on va bien voir que les trois ennemis sont alignés, que la balle transperce donc les trois ennemis. Donc ça me fait une belle triple en une balle. Et donc le dernier que je tue qui me permet de faire une quad feed. Donc voilà, donc là on voit bien, voilà, les trois ennemis qui se font tuer avec ma balle. Et on retrouve à la première place Black Tiger sur la map Sea Town en domination, qui va nous faire un joli trick shot. Donc il va sauter, puis faire un 3-6, puis faire un Faki mais 180 mais pas en 3-6. Et là, boum, couteau de lancer sur un ennemi. Vraiment très bien joué à lui. Donc nous avons fini donc pour ce top 5. Donc j'espère que ce top 5 vous aura plu. Donc je suis désolé, en ce moment je n'upload pas trop de vidéos, donc je suis vraiment désolé, je tiens vraiment à m'en excuser. Donc je vais essayer d'envoyer beaucoup plus de vidéos, parce que 2-3 vidéos par semaine, je trouve et je pense que vous trouvez aussi que c'est pas assez. Donc comme je l'ai dit, je suis désolé, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, à cliquer sur j'aime, pourquoi pas à mettre en favori si vous le voulez. Et surtout à vous abonner à ma chaîne, donc à ma chaîne si mon travail bien sûr et mes vidéos vous plaisent. Et pourquoi pas de faire un petit tour sur la chaîne secondaire, donc qui est consacrée à la team FPG. Et en fait on vous propose pas mal de bons petits clips, ou des bons petits clips des membres de la team de la FPG, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!